La Cour suprême des États-Unis se prépare à examiner une question juridique inédite le 25 avril, l'immunité d'un ancien président face aux poursuites fédérales pour des actes commis pendant son mandat. Cette décision sera décisive pour déterminer si Donald Trump peut être poursuivi pour son implication présumée dans le complot visant à renverser l'élection présidentielle de 2020. Trump revendique une immunité présidentielle absolue, mais l'équipe du conseiller Jack Smith affirme qu'aucune immunité ne protège un président et que les actes en question étaient personnels et non officiels. Selon sa décision, la Cour suprême pourrait annuler l'affaire ou permettre qu'elle se poursuive avec ou sans limiter l'immunité présidentielle. Pour le moment, il est incertain que cette affaire soit jugée avant les élections américaines de novembre.